On est 30 compagnons. Les 30 compagnons vont de coffreur à chef de chantier et on fait tourner la structure à deux conducteurs travaux. Et les travaux vont aussi bien de la pose de blocs à du bancher à la dalle pleine. Le métier dans la maçonnerie, dans le bâtiment, c'est vraiment d'édifier des choses, de construire des bâtiments qui restent et puis d'être toujours à la recherche de nouveaux matériaux qui permettent d'aller sur le développement durable et d'aller sur des matériaux à faible consommation énergétique. Le métier, il est hyper diversifié, hyper varié. Il y a la partie mise en œuvre sur chantier, mais il y a toute la partie bureau d'études, il y a toute la partie préparation, organisation de chantier qui, elle, se situe plus dans les bureaux. Le bâtiment, ce n'est pas qu'un bleu sur un chantier. On a essayé de limiter au maximum tout ce qui était pénibilité sur les tâches de travail. Donc ça passe par des engins de manutention. Les grues sont généralisées sur nos chantiers. Et au maximum, aujourd'hui, on fait en sorte de rendre le moins pénible possible le boulot. Aujourd'hui, de plus en plus, on demande à nos compagnons d'être polyvalents. Donc comme je le dis assez fréquemment, il y a un adage qui dit voilà, « touche à tout, bon à rien ». Dans le bâtiment, au contraire, il faut être le plus polyvalent possible. Et pour nous, en tant que chef d'entreprise, aller le moins possible, aller chercher de la sous-traitance sur une base de complément de formation. Nos compagnons qui intègrent l'entreprise vont quasi tout le temps jusqu'à la retraite. Il y a très peu de mouvements. Et donc les plus jeunes sont formés par les plus anciens et puis les plus jeunes envoient aussi leur touche de modernité par rapport à des matériaux sur lesquels ils ont été formés par les organes de formation que sont l'AFPA, le CFA et qui permet également derrière de se mettre à la page sur les nouveaux matériaux. Mes chefs de chantier, ce sont des compagnons qui sont tous sortis avec des bacs plus 2, bacs plus 3 pour aller chercher des postes de conducteurs de travaux mais qui passent par le terrain en faisant chef de chantier. Et avec un développement qui est tout trouvé, quoi. Les gars, à terme, ils sortent du circuit chantier en étant plus dans un rôle de management. Aujourd'hui, dans le bâtiment, les jeunes progressent très vite, ont la possibilité de monter les échelons assez rapidement et d'avoir des rémunérations qui, aujourd'hui, n'ont pas à rougir par rapport à d'autres pans économiques, quoi. Franchement, aujourd'hui, un compagnon qui travaille très très bien va très facilement chercher une rémunération aux alentours de 2500 euros net, quoi. Donc, je pense pas que tous les métiers peuvent se vanter de la même chose. Pendant des années, on disait à des jeunes, tu sais pas compter, tire dans le bâtiment, ou t'es pas fait pour les trucs, tire dans le bâtiment. Mais non, nous on a besoin de jeunes qui savent compter, on a besoin de jeunes qui savent utiliser des logiciels. Aujourd'hui, il y a énormément de boulot dans la construction, dans le logement, mais pas que.